Sur le plateau du Salon des entrepreneurs avec Les Échos, BFM Business et M Provence, on reçoit Aymeric Wasson. Bonjour Aymeric, merci d'être avec nous. Vous venez de Grenoble avec une belle start-up mais qui s'occupe d'emploi, ce qui est très important pour les jeunes. Ça s'appelle Wisby. Expliquez-nous un peu le fonctionnement de Wisby. Alors Wisby, c'est avant tout une mission. Wisby, c'est favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes autour du monde. D'accord. Aujourd'hui, Wisby, c'est une plateforme d'aide à la recherche d'emploi pour les 18-30 ans. Donc notre métier, c'est d'aider les jeunes à trouver leur premier job ou à lancer leur propre entreprise. Donc toute activité confondue ? Toute activité confondue, la simple cible, c'est avoir entre 18 et 30 ans. Et donc tout pays confondu aussi ? Alors, pour l'instant, on est France. Depuis cette année, on est en train d'ouvrir l'international. Donc on est présent dans 4 pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Alors, je suis jeune, ce que je ne suis plus réellement, mais bon, je me dis, je voudrais y aller, trouver un job et tout. Comment je vais sur Wisby ? Pourquoi je vais avoir l'idée d'aller chez vous, en fait ? Alors, c'est très simple. Vous venez sur Wisby, vous créez votre profil en ligne. Et sur Wisby, il y a également des entreprises qui recrutent. Donc, il y a un matching qui se fait entre les profils étudiants et les profils entreprises. Donc, ça, c'est pour le volet emploi. Le Wisby qu'on prépare, le Wisby de demain, c'est d'apporter aux jeunes des services additionnels pour développer leur carrière. Parce que finalement, l'employabilité ne se résume pas juste à trouver un boulot, c'est également de la formation. C'est du comportement, c'est la formation continue. Donc notre objectif, c'est d'apporter aux jeunes, au long de sa carrière, des services additionnels pour améliorer son employabilité. Oui, parce qu'en fait, finalement, ce que vous faites, il y a des gens comme Pôle emploi qui sont censés le faire. Ils le font aussi très bien. Nous, notre particularité, c'est qu'on s'adresse aux jeunes avec un langage adapté aux jeunes. Et on arrive à toucher les jeunes là où d'autres entreprises ou institutions arrivent moins à le faire. Alors comment vous fonctionnez, votre business model, comme on dit, c'est quoi ? Alors le business model chez nous repose sur les entreprises. Donc ce sont les entreprises, je passe sur les offres, mais qui payent des prestations justement pour pouvoir s'adresser aux jeunes, communiquer différemment auprès des jeunes, voire recruter des jeunes. Il y a beaucoup de privés maintenant qui se lancent là-dedans. Bon, on a le Bon Coin, on en a des tas qui essaient de lancer des plateformes sur l'emploi. Pourquoi vous ? Quelle est votre spécificité ? Donc, c'est les jeunes dans un premier temps, et puis c'est cet aspect services spéciaux pour cette catégorie d'âge de population ? Exactement. Le premier volet, vous l'avez dit, c'est les jeunes, les 18-30 ans. Donc, notre spécificité est vraiment là-dessus, avec un discours adapté. Et demain, c'est justement de se différencier un petit peu de ces plateformes emploi habituelles en ne se bornant pas juste à l'offre d'emploi, mais en proposant aux jeunes plein de services, que ce soit des cours en ligne, que ce soit du coaching carrière pour leur permettre d'améliorer leur employabilité sur le marché. Et quel résultat ? Est-ce que vous avez des exemples marquants de gens qui sont passés par Wisby et qui sont aujourd'hui dans des grandes boîtes ? Alors, des exemples marquants, je pourrais en avoir. Si on reste dans les gros chiffres, Wisby en 2016, c'est 30 000 emplois qui ont été pourvus sur la plateforme. On a à peu près 1 million de membres à l'heure actuelle. Et donc voilà, on est en train de lancer 4 pays avec une audience qui répond bien dans ces différents pays. Et on compte 65 collaborateurs à l'heure actuelle. Vous arrivez à franchir un peu le problème dont on parle aujourd'hui, qui est que les jeunes sont un peu des zappeurs aussi en matière d'emploi, c'est-à-dire qu'ils se disent « je vais peut-être pas faire toute ma carrière dans une entreprise ». Ça ne fait pas peur aux entreprises clientes qui sont sur Wisby et qui mettent leurs offres d'emploi ? Non, au contraire, c'est que les entreprises ont pris conscience de cette génération très volatile par rapport à l'emploi qui émerge, et c'est justement pour ça qu'elles travaillent avec nous. Pour réussir à toucher ces jeunes au moment où ça les intéresse. Donc vous êtes sur Internet, sur les réseaux sociaux, je suppose ? C'est ça, Facebook, Twitter, Instagram. Aymeric Wasson. Et on nous trouve sur wisby.com. Voilà, fondateur de Wisby, cofondateur de Wisby. Merci d'avoir été avec nous au Salon des Entrepreneurs. Merci.